Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour un petit fan game, tiens. Ouais, un petit fan game, ça fait un moment où j'en ai pas fait, je me suis dit pourquoi pas. C'est un fan game qui est sorti au moment où je vous parle il y a quelques jours. Si je ne me trompe pas, il est sorti le 10 mars 2024. Il s'agit de Castlevania Revamp, qui, de ce que j'ai compris, est une aventure originelle inspirée des Castlevania NES. Et comme les gens sont fous, il y a déjà des vidéos dessus de gens qui le terminent en 100% sans prendre de dégâts en moins de 2 heures. Je ne connais absolument pas. Je vous mets, comme d'habitude, dans la description de tous les fangames, le lien pour la page du site et pour le télécharger. Et puis je vais découvrir ce que ça vaut. Tout simplement. Ça va être une vidéo un peu chill. Vous le voyez pas, mais moi je suis sur mon fauteuil à moitié affalé, avec le micro assez proche, et tout va bien. Alors, oui, en effet, on a les musiques. Alors, une touche de saut, une touche pour frapper. On a le menu avec différentes armes, ok. Et c'est tout. Alors, ça se joue stick ou pavé. Ah ouais, on est... Oh la vache, on est sur un Metroidvania. Ah là là, ça a l'air vachement cool. Et le menu inventaire. Ok, différents fouets, des habilités, des améliorations de boots, item ennemi boss. Oh là là, ça a l'air incroyable. Et des cartes. Les cartes on dit... Ouh, active cartes. Ok, ouais, ça a l'air incroyablement cool ça. Et il y a même un bestiaire. Oh ya ya. Attendez, parce que moi j'aime bien quand c'est comme ça. Là, je peux parler plus vite. Ok, il y a un travail derrière. Il y a un gros travail derrière. Une dizaine de boss. Ok. Et eh ben écoutez. Ah oui, alors j'ai ma vie en haut à gauche avec sur mon item secondaire. J'ai 15 cœurs, j'ai un Darlose. Et en haut à droite, je suis armé d'un fouet. Ok. Ok. Bah let's go en fait. Let's go. Gros cœur, petit cœur. Je suis déjà au max. Alors normalement. Ah, alors ce n'est pas haut et attaque, c'est sûrement une touche. C'est B. Alors moi j'ai A pour. Alors attends, je suis sur le manette 3C, donc il faut que j'explique. A pour le saut, B pour l'arme secondaire, X pour le fouet et Y pour changer d'arme. Ok. Très bien. Et bah vas-y. Le jeu, vas-y, apprends-moi le tuto. Ok. Je tue un ennemi, ça me dit son nom et sa place dans le bestiaire. Et. Oh, ça commence. Ah, c'est pas comme. Alors, c'est un tout petit peu dommage. Il n'y a pas la mini-carte comme dans un Metroid. Mais intéressant. Donc là, je sais qu'il y a des items à récupérer ici. Ça va, je sens que ça va me plaire, ça. Ouch. Ouch, mais... Saleté. Oh, je l'ai vu, je l'ai... Oh. Attendez. Ah, life up maximum. Ok. Point de vie augmenté de 1 point et HP entièrement restauré. Alors vous inquiétez pas, c'est rien. Vous inquiétez pas, il s'est rien passé. Juste une petite coupure parce que mon logiciel de montage c'est de la merde en ce moment. Pour une raison que j'ignore. Mais ne vous inquiétez pas. Ok. Oh là là. Je suppose que si je... Ah je... Oh non, c'est bon, je peux aller dans l'eau, tout va bien. Ah j'ai la stopwatch, attendez, je vais garder la stopwatch. Je saute quand même pas mal haut. Ça c'est cool. Et il y a une... Ah, là il y a une porte, je peux pas y atteindre, ok. Je vais tenter d'aller
pas brûlé pour ma première mort. Ah mais je recommence où si je suis mort en fait? Ah je recommence... Je recommence... Ah oui je recommence quand même pas mal loin. Ah ouais d'accord. Non mais c'est bien comme ça je peux farmer. Oh je peux farmer et j'ai un full. Ok, 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 d'accord. Donc on est là-dessus. Alors j'ai pas bien regardé, mais je crois que quand je prends un item, le petit point sur la carte se barre. Comme un Metroid. Donc ça c'est cool. Ouch. Alors le jeu est quand même assez. Le jeu est assez dur quand même. Oh la vache. Ah oui, je vais vraiment me faire... Ah, je vais vraiment me faire défoncer. Ah, je perds la thune. Oh la vache, le jeu, il est dur. Qu'est-ce que... Ah non, c'est normal. Putain mais... Putain mais... Oh non mais... Hé hé sans deck. J'ai un point de vie. Ah, il y a quand même du soin. Alors, donc après être mort comme un caca ici, non, je ne. C'est même pas une stopwatch, c'est juste pour ralentir. Alors, il y a encore quelques, il y a des tout petits soucis, tout petits. Wow. Ok. Wow. C'est un petit peu violent toute cette histoire. Ah, puis là, il y a une amélioration de cœur. J'espère qu'il y a un marchand bientôt. Pour l'instant, j'ai la ref. Pour l'instant, j'ai la ref, c'est le monde. Le premier niveau du premier Castlevania. La ref, elle est là, je l'ai. J'ai la ref du niveau. Ça se trouve, il y a des refs de tous les jeux. Ah, wipe save point to stop. Sauvegarde, enfin d'accord, donc ça c'est des points de sauvegarde et en plus c'est des points de téléportation. Très bien pensé, très très bien pensé cette histoire. Oh, une axe. Ok. Ah, alors on est sur, ouais, alors on est sur des blocs cachés. Et en plus... Ah, le premier boss. Ah, premier boss. Oula. Ouh. Ok, ça joue comme ça. Phantom Bat. Ok. Ah, j'ai plus assez de cœur. Oula. Oula. Je vais devoir la faire à la whip. Ok. Y a pas des objets cachés, là? Ok. Le combat a pas l'air dur, il est un poil long, je trouve. Allez, viens. Ouais, il est un poil long, mais bon. Is ok. J'ai toujours mon whip niveau 1 tout nul. Ça va, c'est le combat tuto. Enfin, c'est le boss tuto là actuellement. Donc ça va juste être long.
Ouch, ouch, ouch. Ah, le mauvais jeu, le mauvais jeu, le mauvais jeu. Aïe, 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 aïe. Ouais, j'aurais pas dû me foutre là. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça joue pas bien. Ah, ça joue très, très mal. Ouch. Ah non, il me reste un point de vie, au secours. Ah non. J'aurais dû... Oh ! Pardon. Mais non, c'est une blague. Ces boules de feu, on peut les frapper. Ok, ok. D'accord. Est-ce que je peux... Ah, il n'y a pas de salto en arrière encore. Peut-être pas les bottes pour... Ah, aïe, 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 aïe. Oh, puis oui, bah oui. Bah oui, non, c'était sûr, ça. Raté. Vas-y, saute. Ouf. Ah, j'ai tout donné, là. Là. Bah oui, bien, bah oui, bah bien sûr, t'as raison. Attention, c'était sûr. Ok, ok. Attention. Voilà, bah c'est mieux quand on y arrive. Ah, et j'ai gagné. Est-ce que je peux faire le mec classe? Ok, ok, ok. Bon bah ça va, petit boss, premier boss. Il était un peu complexe. Je vais sauvegarder, je vais sauvegarder. Je vais complètement sauvegarder. Ah, les points de sauvegarde, je sais où ils sont quand même. Oh, puis alors le farm. Si le farm il est aussi généreux, c'est que les items doivent coûter quand même pas mal cher. Hop là. Je vais avancer encore un peu. J'aurais bien. Je vais quand même essayer de choper une amélioration, ce serait bien. Ouh, il y a deux chemins, c'est comment ça? Ça commence à se diviser au niveau des chemins. Alors, on va passer... Je vais aller... Ouais, à mon avis. Ok. Non, j'ai compris. Je connais, c'est la méthode Metroid. On te fait tomber, on te fait aller dans un chemin où tu ne peux pas remonter encore pour ensuite t'apprendre à... Dynamite Strike! Alors, armez votre fouet dans les 8 directions, maintenez une direction et pressez X et hold left. Ouh, donc ça fait tac et... Ah non, c'est... Non? Ah, d'accord, ok. Ok, il y a des... Ah, d'accord, ouais. Donc ça y est, je peux attaquer dans différentes directions, yes. Ok, là il y a une porte, je l'ai vue, mais j'aimerais récupérer l'améliorer. Ah, mais attends. Ah, mais faut que je... Attendez, je dois faire un backtrack. Je dois faire un backtracking, c'est important. Hop. Maximum de cœur augmenté de 5 pour les sub-weapons. Y'a rien de caché. Y'a rien de caché. Je vais faire demi-tour parce que je sais exactement qu'il y a des choses que j'ai débloquées avec cette arme. Ah, là par contre. Ouh, là par contre, y a un peu plus de monde. Bizarrement. MDR, voilà, toi. Genre ça. Voilà, déjà, merci.
Ouch, oh là, j'aimerais éviter de mourir par contre. Si je peux éviter. Est-ce que les points de sauvegarde me redonnent de la vie, tiens? J'ai pas regardé ça. Oui, ça me rend ma vie. Ok. Hop, attention. Ah ouais, alors, il faut aimed. Voilà. Ok, bon bah là c'est un raccourci très clairement. Ouais, il y en avait tout là-bas. Alors il y en a un que je pouvais pas avoir avec le slide. Parce que j'ai... Non, il y en a un que je peux pas l'avoir avec le slide, c'est... C'est... Ah, attendez. Ouh, il y en a. Il y a une amélioration qui est cachée ici samedi. En plus de... Ouais, il y a une amélioration qui est cachée dans cette zone près, précisément. Où est-ce que ça peut être... Où est-ce que ça peut être caché? Oh là là, sérieux? Ah, c'est caché aussi haut, c'est une blague. Ok. Alors, déjà... Là... Ça. Voilà. Je vais accéder par le... Ok. Ok, d'accord. Ah, ça commence direct. Je sais pas quel est le chemin. Ça se trouve, je suis pas dans le bon chemin. T'as un petit bonus par là? Non. Putain, les musiques sont extrêmement dynamiques, ça c'est cool. Ah, je viens de comprendre. Oh! Oh! En fait, j'ai compris quelque chose, c'est que les lumières vert, enfin les lumières bleues me donnent des objets. Enfin, des armes secondaires. Et donc là, on a une arme que je ne connaissais pas, c'est une espèce de branche de gui qui me redonne un point de vie quand j'ai 10... Oh la vache. Ah mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Qu'est-ce que c'est que cet enfer du... Mais c'est pas bien. Ah, c'est pas bien de faire ça. Ah, c'est vraiment pas bien. Oh, oh, ok, on arrive dans la difficulté. Ok. Ah, un œil. Ah, c'est le Beholder. Je sais pas où je suis, je sais plus où j'habite là. J'ai raté une amélioration qui devait être cachée. Oh, oui. Colosse. Ouf. Ah, ah. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que... Ah. Ah, je ne peux pas passer. Non, je peux pas passer. Il y a l'air d'avoir un milliard de choses que je peux pas tant que j'ai pas le slide. Le slide, à mon avis, c'est l'objet le plus... c'est l'objet le plus... Ah, ouch, 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 ouch. Ah mince, ah. Oula, lui va poser problème. Hein. Aïe, 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 ouais, je vais le passer, je vais essayer d'avancer assez vite. Ah, j'ai ce qu'il faut. Je veux bien un petit soin par contre. Oula, y a les milliards de chemins, bien sûr. Oula, 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 ouais. Ça, à mon avis, c'est pas tout de suite. C'est pas du tout tout de suite. Petite save. Oh, le power grip. Breezy slide. Ah, passer à travers le passage Z3 avec un slide inoffensif pressé down et A. Et pour... ouh. Continuellement. Ouh.
pas mal. Alors attendez, je vais quand même farmer le soin. Parce que j'en avoir besoin. Il me faudrait un soin par contre. J'ai pas le droit au soin, je vais mourir. Je sens que je vais décéder. Au secours. Oh! A save point is... Oh! Je suis chez un marchand. Ah, alors... Every film, life card. Ouh, je peux acheter des cartes chez lui. Ok. Donc c'est le vendeur de boost. Très bien. Ça, ok, c'est des cartes qui augmentent mon, mes effets. Ok. Réduit le coût des armes des sub-weapons. Pas mal. Carte critique. Ajoute une chance. Ouh. Oh, vas-y, je vais acheter celle-là. Alors, par contre, il me dit qu'il y a une sauvegarde pas loin. C'est pas une sauvegarde dont j'ai besoin, mon mec. C'est plutôt de... Oh, shit. Ah, yes. Ouais. Oh, le slide là. Oh, aïe. Ah, je peux pas. Ah, mais attendez, je peux m'équiper de mes cartes. Hop. Je m'équipe du critique plus. Et eh ben, c'est pas mal. Hein. Je vais avancer encore un petit peu, puis on verra bien. Hein. Mais en vrai, ça c'est. Oh, ça c'est si cool. En vrai. Ah. Ouais. Alors là, par contre. Je suis venu ici peut-être un petit peu trop tôt. Ok. Je suis venu ici un tout petit peu trop tôt. Ce slide il est si cool. Mais au moins j'ai le slide. Et le slide ouais, pas trop mal en vrai. Hein. Hop. Je dois me rendre. Tiens, je vais. Je suis curieux, je vais me rendre là-bas. Est-ce que je peux slide dans l'eau? Ouh, je peux complètement slide dans l'eau. Ouh, il doit y avoir quelques petites méthodes là qui ont l'air pas trop mal. Ah, ils me font encore un boost sur mes yep. Ok, je suis revenu ici. Très bien. Donc, ah, il y a 2 points de vie, ok. Ok, pas trop mal pour le moment, j'aime bien. Bon, je suis qu'au début, j'ai à peine frôlé peut-être 1% du jeu. Même sûr et certain 1%, je vais peut-être même mourir là, voilà. Mais non, le jeu a l'air vraiment, vraiment cool. Ça a l'air incroyable. Bah moi, je vais m'arrêter là, en fait. Ouais. Je vais m'arrêter là et puis je vais vous laisser là. C'est vraiment une vidéo coolos. Pas plus, pas moins sur le jeu vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Tous les liens sont en description, je le rappelle. Et aussi, regardez un petit peu ce qu'il y a comme autre fan game que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Je vais vous laisser là du coup. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est les likes, les commentaires. Si vous avez un petit fan game à me proposer, pourquoi pas, je suis ouvert à tout. Les réseaux sociaux, que ce soit X, anciennement Twitter, Blue Sky, Threads, ou je suis sûr j'en ai oublié un, ou Instagram, voilà. Évidemment Twitch, parce que bah, je suis un peu plus présent sur Twitch que sur YouTube, même si on ramène YouTube un peu en avant depuis le début d'année, et tant mieux. Et voilà. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour une autre vidéo ou un autre fan game.